You ready to fight? Ready. Allez, c'est parti pour ce combat spécial. Je vous le rappelle, se joue selon les règles du combat debout. Aucune saisie n'est autorisée, aucune emmenée au sol et surtout, aucune frappe au sol. Tout doit se jouer debout, face à face, comme dans un jeu vidéo de combat, mais sans boule de feu. Ce direct pénètre sa défense. C'est raté. Gauche, ça trouve sa cible. Incroyable échange entre nos deux combattantes. Le coup ne passe pas. Et déjà des frappes qui partent à peine une minute de combat. Moi ça me plaît, ça veut dire qu'on va pas s'ennuyer. Le gauche passe à côté. Elle lui envoie un crochet en pleine tête. Très bon blocage de Jędrzejczyk. Elle se prend un énorme coup du droit. On se direct du droit face à côté. Et oui, le coup de poing qui touche. Quelle qualité de frappe! Quel début de combat! Elle n'a pas attendu. Ah non, elle est passée tout de suite à la frappe, à fond. Elle est ouverte juste au-dessus de l'œil. Et le combat va à son terme. Ce sont donc les juges qui vont prendre leur décision. Ready to fight? Ready. Et c'est parti pour ce combat spécial avec des règles bien spécifiques. Puisqu'il est interdit de tenter de slammer son adversaire au sol, d'essayer de passer un takedown ou des balayettes dans le clinch. Il est également impossible de suivre son adversaire au sol. Tout se passe debout comme dans un combat de kickboxing. Coup de poing. Coup de coup dévastateur. Pas le temps de se mettre en place. Une minute et c'est déjà un combat acharné. J'ai même pas eu le temps de régler mon siège. La frappe du droit touche parfaitement. Bon, vous êtes content là. Un début de combat où les coups s'enchaînent. Ah, moi je suis pour les stratégies agressives. Elle joue le tout pour le tout, l'une comme l'autre. L'overhead du gauche qui passe bien. Chukajan passe juste à côté. Ce crochet l'atteint à la tête. Ça ne passe pas. Et encore. Elle la bloque en puissance. Et on arrive au terme de ce combat qui ira donc à la décision.
Et c'est la fin du combat. C'est désormais aux juges de rendre leur note pour cet affrontement. Un combat très serré, si ce n'est le nombre de frappes conséquentes qu'elle a réussi à placer. Ready to fight? Ready. Et c'est parti pour ce combat spécial qui, je vous le rappelle, se joue selon les règles du combat debout. Les aficionados de kickboxing n'auront aucun mal à comprendre les règles spécifiques ce soir, puisque tout emmener au sol est interdite et que lorsque votre adversaire tombe, vous ne pouvez pas lui infliger une frappe au sol. Un combat qui privilégie donc l'action directe et brutale. Elle envoie un superbe direct du droit. Regardez ça, à peine une minute de combat et c'est parti dans tous les sens. C'est pour ça qu'on est là, pour les voir en action. Oh, superbe échange. Et ça touche. Le crochet puissant la rate de quelques centimètres. De combat, elle enchaîne les frappes. Elle a décidé d'étouffer son adversaire sans attendre. Elle ne rigole pas avec ses tocages. Ah, je vois que cette frappe l'a blessée vers l'œil. C'est une coupure. En effet, rien de trop grave si elle reste prudente sur la suite. Oui. Esquive. Overhand du gauche, manque le coup. Ça saigne, ça vient de l'arcade. Très bonne défense au striking. Ce sont donc les juges qui ont la décision finale entre les mains, ce combat étant allé à son terme. Et allez, c'est aux juges de rendre leur décision. Personne n'aime finir un combat comme ça, mais une victoire reste une victoire. En tout cas, il va être difficile de les départager, car à part le moment où elle a envoyé son adversaire au sol, le combat a été très serré.